l'été, le barbecue marche à donf et c'est le moment où les légumes produisent. Alors, on va faire griller tout ça. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, pour faire un barbecue veggie, il faut le barbecue, bien sûr, des légumes du jardin et surtout des herbes aromatiques parce que c'est encore meilleur. D'abord, la cueillette. La cueillette, c'est 100% plaisir. Ah, quel pied de récolter ses propres légumes qu'on a bichonnés depuis quelques semaines. Pour les courgettes, on coupe des tronçons d'environ 1 cm d'épaisseur. On badigeonne les deux côtés avec un peu d'huile d'olive aromatisée à la sauge du jardin. On les place sur la grille, on les retourne et on les parsème de persil. Les aubergines, on coupe des lamelles assez fines. On ne badigeonne pas les deux faces car l'aubergine est une véritable éponge. On met juste un peu d'huile sur la plancha, on cuit les deux faces et on saupoudre de thym citron. Pour les tomates, bon là c'est simple, on les coupe en deux, on les place sur la plancha aussi, on évite la grille pour ne pas retrouver les tomates dans le fond de la cuve du barbecue. Un filet d'huile d'olive et une fois cuites, on les retire et on cisèle du basilic délicatement par-dessus. Quand on a un beau jardin, des beaux produits, de beaux légumes, un bon barbecue, on a forcément un beau jardinier.